Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans l'émission Plaisir Créole, l'émission de cuisine tous les semaines sur Canal Austral bien entendu. Ce soir on a préparé le décor, on a préparé la table, on a préparé les petites chaises pour que tout le monde puisse s'asseoir. On a allumé le feu aussi et on attend des personnes qui vont nous cuisiner ce soir. Il paraît que c'est un civet canard, ouais, comme il parle un civet canard, on a les chiens qui aboient de l'autre côté là-bas. Et canard aussi, joie aussi, cheval un instant arrive son tour, un instant hein, quand les chiens... Bref, n'est pas qu'il y a des animaux ici. Et sauf qu'on a fait la pointe, c'est canard. Parce que Bana aime un canard. Alors Bana, c'est qui? C'est Aline Murin, si tu connais. Aline est souvent avec nous. Après, il vient avec un groupe aussi qui appelle Destin Maloya. Et Assoua nous a fait la cuisine dans du Maloya. Il reste pas trop longtemps, mais attends, Nanmouni arrive de l'autre côté là-bas. Misawara accueille les autres tout de suite. Après, nous retrouve tout au long de cette émission. Plaisir créole, bien entendu, avec au son du Maloya, ce soir, avec Destin Maloya. Allez, Misawara, et puis après, nous commençons la cuisine, d'accord? Allez, à tout de suite. Putain, là la pluie tombe pas, là rien que la même la pluie tombe. Un peu bénédiction, t'es là. Un peu bénédiction. Moi je mets casquette. Allez, là. Comment il est? Doucement, doucement. Ah, doucement, bien. Doucement, les bons. Ah, ben, ils sont rentrés. Ben. La bénédiction. Mais crois que t'es bénédictin, moi non? Bénédictin. Soit pas là, c'est Benoît aussi. Non, c'est André. C'est André, il est pas loin alors. Aline, comment elle est? Aline, c'est quoi cette coiffe là encore? Ça? À chaque fois qu'on vient, on a une coiffe différente. Non, mais là c'est la coiffe, la pluie, la coiffe. Destin Maloya. Un peu afro, hein? Hein? Un peu afro. Ah ben, si vous voulez Maloya, moi, pas coiffé en afro, il a pas le sens. En tout cas, vous êtes bien content, retrouve Azot sur Canal Austral avec Jean-Claude. Les bons, Bilas Azot. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bilas Azot est rentré alors. Merci, merci. Les bons, alors c'est quoi tout ce bon gaillard? Bonne cuisine, même ça, hein? Oui, bien, on va manger, on va manger. Ah bon alors, les bons alors. Allez, Bilas Azot rentré. Ben Julie, comment elle est? T'es belle et là, Zot même, vous allez bien? Vous l'arrivez bonne aujourd'hui? Toujours. C'est quoi ça d'affaire avec prendre le coup des oreilles chaque. Rectangle dans mon oreille? Non, des petits boules par exemple. Ah oui, ça, on appelle ça des pompons. Ah d'accord. Ce sont des petits mais pompons. Vous savez que t'es une malbarrelle, donc c'est pour ça qu'on met des pompons. Ah mais bien sûr, on a des pompons de toutes les couleurs et ce soir, il trouve que le pompon vert passe bien avec le blanc et le noir de ma robe. Elle ne veut pas dans l'émission, madame Lane, là, hein? Christina Cordula, voilà, magnifique. Mais dans Plaisir Créole. Tout à fait, ce soir nous cuisine Mamaï. Voilà, et nous cuisine avec qui, vous connaissez? Ben, ce soir nous cuisine avec Aline et le groupe... Misawara Azot. Alors, le groupe... Le groupe Misawara Azot, moi, le groupe, ah oui. Aline, comment il est? Bonsoir. Vous voulez un petit peu fleur bleue ce soir parce qu'on a un petit fleur dans la main. Ah non, c'est un morceau PSI. Oui, parce qu'on en aura besoin pour... Vous voulez un petit peu PSI vert alors ce soir? Non, mais on en aura besoin pour épicer, rendre joli, décorer le curry que vous avez montré d'un instant. Ouais. Et c'est surtout un plaisir d'accueillir Destin Maloya. Destin Maloya. Ça, ça va bien. Ah, ça va, là, ça va. Et je le prochain, connais comment il est. Là, ça, quand un petit Maloya, après, on s'en mange un peu. Après, nous casser un peu de cuir. C'est surtout casser un peu de cuir entre ben, des amis, famille. En plus, on a un petit prof d'anglais, il vient débarquer. Là, les gars, ça va, Yazir, il va. Et how are you? Are you? C'est bien le how are you? Comment depuis tout de suite? Comment nous faisons nous depuis la réunion depuis tout de suite? Avant d'arriver là-bas, nous essayons bien how are you? Are you? D'accord. Alors, présente-moi un petit peu avec qui ça va, ni comme ça là. Bon, surtout, nous n'avons madame à côté. Ben, en plus, c'est lui, sa cuisine un peu. Ça là, ouais. Donc, ben, manier que maman. Madame, maman.
Oui. Ben, comme ça, il fait Julie, comme ça, il dit Madame sa maman. Madame sa maman, bonsoir, voilà. Madame sa maman. Ben, écoutez, hey, vous êtes connectés. Le carré connaît qu'on l'a bien, il est dans les affaires, les bons. Quand il a gagné, évidemment, on a dit, ils ont encore dit, moi, t'es Fabrice, viens faire cuire un petit carré. T'es premier mot, imagine, maman, on dit, t'es connecté. Là, oui, là, après, voilà, maman, enchanté. Et maman, on l'a gagné avec qui encore? Ben, avec ma fille. Oui, hein? Salut. Il paraît à Outemis. Non, non. Mais ben, donc, c'est pas vrai, là, depuis tout à l'heure, ça ne va pas attendre. Non, on va là. Ah bon? D'accord, on trop petit. Ma fille, on peut dire oui, bien sûr, mais non. Alors. D'accord, alors, les... ah, aussi cuisine un peu? Un peu de temps en temps, mais bon. C'est monsieur qui fait le plus tout le temps. Monsieur fait le plus, vous savez, monsieur, les... Il paraît que c'est vous qui cuisine un peu? De temps en temps? De temps en temps. De temps en temps, alors, les beaux, alors, ta laine va bien voir un petit coup, qui ça? Qui ça, non, encore comme ça? On a un bon musicien, bonne famille. Il se cache, il se cache, il se cache. Ça, musicien destin, Maloya, ça. Tiens, malgache, malgache, car on est tout le temps de nous, oui, ou sont malgache, ou sont malgache, que ce soit pour dire, ou y'aura, il a menti, il m'a dit qu'il s'appelait Bob. Non, mais il est fait, ouais, Bob, là. Voilà. Après, dans la bonne, si Naral, bonne, comme tu sais, tu peux causer un peu anglais, on a l'air de présenter un peu. Julie, qui ça, il est bonne, là. Alors, donc, ici, on a ma chère Sandrine. Oui. Donc, une petite prof d'anglais. C'est mon amie, une grande, voilà. C'est ma grande amie et elle est accompagnée de son mari ce soir, Willy. Willy, voilà. Comment elle est là? Willy, ma raconte une petite anecdote là, juste entre nous. Zot, il rit pas, Zot. Hein. Julie, dis-moi comme ça. On a quelqu'un, il vient, il passe moi le téléphone, elle se parle en français parce que c'est les oreilles, ça. Hein. Là, moi, ça commence quand en français, le bouc, il passe en moi, quand il était créole. Midi, Julie, là, elle ramasse. Et quand Willy arrive, il dit à moi, il sort de cet endroit, il était pas loin de chez nous, t'es Willy. La joignée me trouve chemin, mais le soit elle trouve pas. Voilà. Un philosophe a dit l'apparence est trompeuse et d'autant justement. Plus trompeuse qu'elle ne l'est pas souvent. Montesquieu. Hein? Oui. Avec lui, il a fait moi le même coup. Ah oui. Mais comme Midjao, Mité fait vélo, t'es là la journée, mais le soir. Mais le soir. Tous les chats sont gris le soir. Les sont noirs là. Oui. Et en parlant de chats et tout ça, on en a quelqu'un que une affaire que les chats aiment bien, c'est quoi les yakana. Donc tu connais ça. Ah. Tu connais que les chats aiment courir les yakana. Mais Kana aussi peut bec le chat. C'est une chanson babois, ça. Une chanson babois, ça. Voilà. Et va boire. Même là, elle parle d'un Bob dernièrement là. Un Bob. Elle dit parti en France, après il est parti mettre Bob en France. On rappelle ça. Hein? Va boire. Hein? Alors en parlant de Kana là, oui, est-ce que ça nous a fait comme ça? Ce soir, canard. On dirait canard. Canard ce soir, c'est hein? Pas un canard, puis on a fait monter. Là, nous, c'est un canard. Mais on monte sur le canard. Le canard, bien. Canard, au canard. Et là, nous, on dit mon canard. Mon canard. On dit canard. Canard. Mais Julie, tant que les pas noirs, il n'est pas grave. Voilà. Hein. Vous connaissez l'expression canard et noir. Oui, canard. Ce soir, canard et pas noir. Regarde, c'est un signe, mais ça, c'est un petit canard noir, ça. Un canard noir. Regarde, mon petit canard noir. Tu vois, petit canard noir. Ou la vieille circonstance. Ah oui. Voilà. Mais voilà. Il rend hommage au canard ce soir. Voilà. Hein. Ce soir, le canard n'est pas noir, le canard est en civé. Il est en civé. Oui. Voilà. Alors, on va aller voir tout de suite. Alors, comment ça fait civé là ce soir? Ben, mais ça prépare. Il faut couper d'abord. Oui. Après. Ça fait revenir un petit peu un tout petit ça. Peu et on fait ça à haute manière même. Oui, oui. On est traditionnel, on fait comme tout le monde. Ben, on a un petit secret à où? Ben, moi, que... mon façon de faire de moi-même. Ah, d'accord. Oui. Alors, nous savons voir ça. Soir, ben oui. Donc dis tout le monde ça tu veux copier ce soir de l'autoriser. Ah ben oui, de l'autoriser. Autoriser, ça les tu veux voilà, regarder. Les voilà, l'autoriser. Ah, hein. Il fait par qui Julie, la maman c'est de par la maman de notre leader du groupe Destin Maloya. Voilà. Julie, vous l'apprenez bien la leçon. C'est oui. Très bien. Destin Maloya. Destin Maloya. Pour ce soir. La ferie, ça t'est un peu dans l'émission là, je connais comment elle est. D'habitude, tout le monde copie, tu peux pas le copier. Bon, d'habitude, tout le monde prend un peu de notes sur la musique, l'affaire. Mais là, ça donne l'occasion, prends note de si le l'affaire, prends un stylo, papier, ils ont prends deux, trois lives, bon, on a vu dans le zinzon. On les a fait prendre tout de suite, hein. On les a prendre tout de suite. Après, ça te retrouve l'émission de si Internet. Pareil, ça te travaille, ça même, ouais, au
comprends pas où il écrit. Après, même s'il a copié, pas grave. On a l'habitude depuis des années. Eh, Malavi, on a deux bouteilles de vin, t'es là, là. Et ces deux bouteilles de vin, là, là, elle est un peu ancestrale, ça, ici, depuis millénaire, qu'on a bouteille de vin, là. Il a pas pris une ride, hein. À moi, la prière, elle dit non. Et ça, elle est traditionnelle dans tout le monde. Oui, traditionnelle dans le CV. Tout le CV. On ne dira pas la marque, mais tout le créole, écoute, elle nous connaît. On peut faire le CV canard, le CV poulet, le porc aussi. Aline, tu connais un petit coup la marque. Nous montre la marque. La marque. Oui, parce que vous connaissez quoi là? La dire comme ça, le vin est une tradition française. Alors, voilà. Tout comme Royal Rouge est une tradition réunionnaise. C'est ça, non? Voilà. Bien entendu, Julie, quand on parle du vin, c'est à boire avec modération. Bien sûr. Non, hein. Mais là, c'est le canard qui va boire le vin. C'est pas nous. C'est pas nous. Hein. Et dire canard là, tu te souviens, pas boire un petit goût de l'alcool. Il y a qu'à soigner, ça boit un petit goût. Quand on a dit avec modération, là-bas, ma ville a tilté. Elle a dit non, mais c'est pas nous qui boit le vin là, c'est le canard qui boit le vin. Alors, mettre de vin dedans. Bon, ben écoute, nous commençons cette cuisine là, parce que nous, ça démarre ça tranquillement. Parce que qui ça coupe canard là? On a gros bras là-bas, on a moule là-bas. Si vous regardez, si vous regardez. Où ça coupe le canard? Il paraît que canard là, juste entre nous comme ça, parce que nous là, il n'y a qu'entre nous. Pour vous, le monde de télé, hein. Ben là, il y a à peu près 100 000 personnes comme ça, ici à La Réunion, un petit peu plus dans l'océan Indien. Mais là, pour vous, payer. Donc, vous dire, moi, où là, canard là qu'on coupe là, où ça coupe là, comment on a une façon de couper le canard, parce que sinon, il écrit comme il dit créole, et après le zoo, il prend. Il ne faut pas couper trop gros. Pas trop gros, pas trop fin. Ah, il coupe dans les articulations aussi. Ah bon, donc il y a une technique alors. Bon, t'as là qu'on coupe mieux, waouh, hein. C'est bon. Il y a une technique ça, une technique. La cuisine va se faire ce soir sous les couleurs du Maloya. Waouh. Hein, Fabrice, le Maloya qui est notre musique, la musique qui a construit l'île de la Réunion avec d'autres musiques, la musique qui puise les racines de l'identité réunionnaise et nous toutes les là pour apprécier le Maloya sur Canal Austral. Voilà, très bien, hein, très bien. Alors, on commence la cuisine alors. Mais bon, nous ça va? Okay, Julie, nous ça va? Okay. Allez, ben, elle est partie alors. Ou la retourne en enfance? Okay, mais là, c'est pas son drill là. Ah, d'accord. Alors, son drill là, attaque les oignons là. Attaque les oignons. Et par contre, ma partie vérifiée, quand on a dit oignon et oignon dans le dictionnaire, regarde un dictionnaire 2018. Ouais. Mais sache que le mot oignon, d'après oignon, on est na oignon. Oui, non, mais dans le nouveau dictionnaire qui va sortir. Ah, qui va sortir. Oignon. Mais oignon, tu m'as dit. Oignon. D'accord. Parce que m'a vérifié là, il dit ben, c'est toujours oignon. Il m'a cherché oignon, mais il m'avait pas trouvé dans le dictionnaire. D'accord. Et donc, ça entraîne en anglais ou du oignon, comment? Onion. Tu as vu? Donc, les Français copient sur les Anglais maintenant. Tout à fait. Nous préférons les plus vite, nous comme là. Parce que l'anglais et le français font partie de la même famille de langues. Ah non, on a une germanique, l'autre des... Non, la même famille de langues. Ah bon, ouais. Ah bon, parce que l'anglais est une langue germanique alors que le français est une langue latine. L'allemand, l'anglais, l'espagnol font partie de la même langue, famille de langues. Non, c'est pas du tout ça. Oh, c'est pas ça. La racine nous parle là, hein. Oui, les origines même, la même famille. Ouais. Ah bon, ouais. C'est pour ça qu'on retrouve des similitudes entre le français et l'anglais. Tout à fait. Entre l'anglais et l'allemand. Ah ouais. Un créole aussi? Créole encore. Gatali. Mais Palto. Palto. Ah bon? Palto, c'est quoi? Palto. Palto, c'est un pull en fait. Un pull, hein. Non, mais tu veux dire que ça a une ressemblance avec quelle langue? Bah, le français, c'est breton quand même. Ouais, c'est breton. Ah, bon, ben waouh. Mais apprendre des choses à soi là. Mais savoir comment il coupe le canard. Ah, allez voir un peu les jantes hommes. Deux couplets de canard. Les jantes hommes, Mathéa, voilà. Bon, alors. Couper les oignons aussi, il y en a deux, non? Voilà, les oignons, il y en a deux. Mâche en double nous. C'est bon, nous voir ça. Mais regarde, super musclé et tout, il y a Mathéa en position vraiment pour couper son canard. Ouais. Hé! Tu sais qu'il n'y a pas mettre un t-shirt de la France là, qui bat un petit peu Paris Saint-Germain là. Juste une petite question. Et là, le Marseillais, comment ça fait là? Le Marseillais, comment ça fait là? Eh ben là, ça qui est galo, comme d'hab quoi. Mais là, qui sait mon ça? Non, moi non. Ça va aller mieux. Non, parce qu'il me demande toujours ça, le morceau là. Le que... campion. Moi, je supporte voilà. Pas ça, j'aime pas ça. Le kéké de canard. Qui mange à vous? Je supporte pas. Il n'aime pas ça. Ah non, c'est pas bon. Bon. Ah non. Bon, ben, m'y mettre toujours, m'y nettoyer bien propre, ça. Il faut bien nettoyer. M'y mettre bon d'alors là, Lili, il a vu que tu nettoyais le campion. Ça est rouvé bien comme ça là. Rouvé en l'air comme ça, il nettoie bien le caca dedans. Et ça, il mange. Oui, non, oui.
Tibio est vraiment original. Non, parce que. Vous connaissez si les hommes lavaient ça, les hommes des vols. De quoi ça? Oui, le scorpion. Pourquoi? Mais parce que c'est sur les scorpions qu'on a les ailes. Ah non, Canaille vole. Ah, mon aurait dit sur le zèle carrément. Canaille vole. Canaille vole. Le gouvernail, alors. Ouais, ben, petit, a fini coupé. Et là, la canaille vole plus, là. Bon. Comment ça coupe canaille, là? Alors, là, ça bien rouvé, elle est bien tranquille, comment? Là, on tient un petit peu la peau. Là, là, les affaires qui m'ont aidé. Franchement, elle est bonne pour couper. Elle est bonne? Ah, elle est bonne pour couper, hein. Ben, elle est bonne, alors. Mais là, c'est bon, mais ça rouvé, elle tient là. Là. Mais n'avez pas un monde. Ah, où tu dois couper? Dieu a donné, parce que c'est Dieu donné. Dieu donné. Un petit coucou à lui, puis ça André, et il travaille l'inox. Mais cap si aïe. Voilà. Et en parlant, on a un tas de pose la question que ça, à moi, il est en train de faire. Ouais. À moi, il est comme tout ça. Ouais, le staff cuisinier. À moi, il est le superviseur. Ah bon. Chez nous, c'est quand même ça, l'aspect cuit. L'aspect cuit. Oui, l'aspect cuit. Voilà. L'aspect cuit. Et surtout quand il passe à table, à moi, il est goûté. Mais l'aspect cuit, de toute façon, il goûte tout le temps. Mais il supervise. Là, on dirait des gabillettes de la lune. Ah oui, mais on a l'habitude. Tous les jours, il Tous les jours, il fait qu'il mangeait. Tous les jours, il a l'habitude de ça. D'accord, alors. Bah. Et vous faites un peu la musique aussi? Non. La musique, non. Ah, où c'est? Rien que la cuisine, alors. La cuisine. Et qu'est-ce qu'on fait comme ça, comme plat d'habitude bien fait? Ben, tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout. Plat créole. Plat créole. Plat français, vous avez fait? Pas trop, chinois. je sais, chinois, oui. Chinois gagne. Et à vous, fait un petit peu quoi ou... À moi, fait un peu de tout. Un peu de tout? Tout. Ah oui. Massalé, qu'est-ce que fait? Oui, massalé, mon Dieu. Massalé, créole, ah bon. Civé. Autres garçons, ils chantent malgache tout le temps, dans Destin Maloya. Est-ce que finalement, tu as comment il fait Romazav? Pardon? Romazav? Oui, bon plat malgache là. Non. Pour comment, moi, c'est ça? La prochaine fois, Djali. Oui, mais sois bien content de connaître. Hein. Voilà, on se comptait qu'elle est malgache avec nous là. Oui, en plus. On a dit Pelle Bob, mais il n'est pas vrai. Il n'est pas Bob, lui. Non. Ah oui, mais bon, il faut bien. Tu coupes le canard là-bas? Attends, mais il arrive alors. Tout d'un coup, il nous a fait la montée. Il dit donne couteau, m'a coupé. On va l'essayer. Ah bon? Ah, je vais monter. Ah, ça fade. Allez. Fais attention. Et il faut trousser la manche et tout. Ah, bon, il faut retrousser les manches. Il faut toute une préparation. Préparation mentale. Et attention demain. Ouais, t'inquiète. Ah, c'est pour ça, Madagascar, maman. C'est quand voilà, il coupe tout seul. Oui, non, oui. Elle a dit Malba, mais elles autres aussi, là. Le Zafé, ça chapaté. Là. Bon, ça c'est le magret, hein. C'est le magret. Là, c'est un petit magret seulement, hein. Il est pas très gras. Non, lui, mais ça le va. Canard n'a pas été un canard fait pour ça. Ouais. Hein? Bon, les gars, là tiens, malgache, Madagascar, coupez. Soir, c'est un spectacle international. Ah bon? Ça c'est un bon artiste, connaît bien ça, bon musicien. Hein, fait canard. Hein? Explique un petit peu, bon, qu'est-ce que veut dire ça? T'es dans le monde qui fait canard, c'est que la musique que la fin calé, fin répété, moins 4-5 fois par semaine, qui arrive le zoo au spectacle, il râle les affaires. Mais on a fait la foire. Là, nous dit comment elle a fait un canard. Mais où c'est bien cette expression là? Tu ne me connais pas. Allez, nous connais où? C'est bien cette expression là?
fait canard. Peut-être parce que nous avons l'habitude de dire le canard, les noirs. Donc c'est peut-être nous utilisons ça, dit ce soir, on a canard, mais on est l'anglais. Peut-être aussi, c'est nous. C'est à creuser, hein, comme vous à creuser. À creuser. On va le rôder. Peut-être si Wikipédia nous peut trouver. Si Wikipédia. Suivez un peu. Wikipédia en créole. Un Wikipédia en créole, il y en a aussi ça. Donc on va demander à un camarade, là, fait dictionnaire créole, là, regarde s'il trouve dedans. Allez, Armand. Allez, Armand. Voilà, allez, Armand, qui a fait le premier dictionnaire créole de la Réunion. Dictionnaire créole pour regarder que ça me tient le canard, les noirs. Voilà. Est-ce que vous connaissez l'expression un canard coupé en cinq? Allez, un canard coupé en cinq? Un canard coupé en cinq. Chacun son tour coupe un bout de canard. Ça s'appelle la solidarité. Voilà. Le vivre ensemble. Pas trop. Hey, il reste avec Fabrice pour couper le canard alors. Ah, ben là, je fais ça comment là? Allez, allez, ah bon. C'est ma loi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah. Pourquoi les doigts, le canard? Un canard coupé en cinq. Un canard coupé en cinq. Là, il est bon. Allez, une bijou là, il est bon, hein, costaud. Ah non, mais comment il s'appelle? Dieudonné. Alors, Dieudonné, monsieur Dieudonné nous a donné un joli bio et on est en train d'expérimenter. Apparemment, il est cool. Dieudonné, hein, coupe sec, amour. Il est cool, pas cool. Il y en a aussi des gros bio là-bas. Gros bio pour soigner. Et alors, comment on dit bio ou bien bio? On dit bio. Pas bio alors, bio. Bio. Ah, bio, je dis comment on dit? Bio. Bio? Oui. Mais qui ça, il dit bio alors? Ah, on dit comment? Bio. Oui, bon, bio. Bah, la langue créole, comment elle est subtile, mais un peu dit bio, mais un peu dit bio. Et toi, ça, ouais. Tu dis comment en anglais? Bio. Julie, je t'en pose des questions, moi. J'aime pas embêter ma cocotte. Hein. Bior. Ah. Une planche à découper. Aïe, sa question, ça demandait comment il dit en anglais. On va l'embêter, là. Moi, j'aime bien embêter, moi. Eh ben, c'est quoi l'histoire, le... C'est quoi l'histoire, le live ou le concours? Ok, là ça va trop loin, ou là, ma pas patience, moi. Non. Tu diras garnic la prochaine fois. Garnic. Donc voilà, n'oublie pas. N'oublie pas ça. Aïe là-bas, c'est quoi il veut dire en anglais? Ouais. T'es là, c'est quoi l'histoire, le live, le canard? T'es là-bas, demande le canard, c'est ça. Le canard, quelle est son origine? Quelle est son origine? Mais de toute façon, on vit dans un monde où la traçabilité est importante. N'est-ce pas? Oui. Tout à fait. D'origine contrôlée. En plus, il te passe à la ville. Mon plus. Ça avec qui? Amour, monsieur, toi, que nous sommes comme les tiens. Ah, merci. Maïva, bisous, ma belle. Voilà, vous tapez le monde, il a fait ça. Maïva, désolé. Là, Maïva, les cons. Parce qu'il y en a un monde qui a fait les ongles là. Il n'aime pas trop. Ah non, j'ai des ongles. Je ne peux pas. Donc, un petit discours pour vous autres, qui est là, la vie avec les ongles. Ah oui, maman. Il fait même le vaisselle, il brosse même pas. Et les ongles, il toujours intact, maman. Donc, voilà. Mais vous connaissez quoi le secret? Un petit peu de citron. Et les ongles, ils brillent à nouveau. On est bon, alors. Voilà. On a été dans la leçon esthétique ce soir. Voilà. C'est la cuisine esthétique. Donc, tu as bien petit gros. Et on est beau, Fanny Martin aussi. Non, il est ça. On ne passe pas à tout. À moi, mais le gars, il passe pas à tout. Donc, voilà. Bon. Destin, mais il pense que c'est destin Maloya. Oui. Donc ce soir, nous les bien la maman de Fabrice, il porte le t-shirt de son groupe. Fais ça tout veut, destin Maloya. Fabrice, que ça veut dire ça? Fais ça tout veut là. Ça, c'est un affaire série. Et en fin de compte là, fais ça tout veut. C'est le titre du prochain album. L'album m'appelle pour c'est un album m'appelle fait se couver. Si bon, on a pitié peut-être fait d'aller. Fabrice, nous les entre hommes, nous là, nous déhoussonnement là. Hein. Allez, nous les en France, est-ce qu'en France nous peut encore permettre à nous aujourd'hui de faire ça que nous voulons? Non, nous gagnons pas, mais à nous fin compte, nous les bonnes combattants, nous les bonnes guerriers, nous les bonnes, nous lâchons pas les affaires, nous fin compte. Quoi qu'on nous dit, nous fait ça que nous voulons, nous fait ça que déjà notre cœur à nous, il décide à nous. Après, selon les moyens qui permettent à nous, même si brave un peu les interdits, pas grave du moment où on est là-haut, ben il veille. Guerrier, comme dit. En mode guerrier. Ah, moi, pour moi. Fais ça tout, hein. N'a pas dit l'émancipation. N'a pas dit liberté. Mais nous, nous dit fais ça nous veut. Voilà. Mais en gardant bien sûr des droits de réserve, en gardant bien sûr le respect. Dans le respect. Donc le ce soir, c'est ce que nous fait. Ben, nous fait la cuisine avec. Destin Maloya. Et en plus, nous disons, n'a pas attrapé un prof anglais, n'a pas attrapé le prof histoire, n'a pas attrapé le monde à la culture, mais il donne comme ça, il donne la force. Mais ce que pour ça, nous montre aux autres que l'union fait la force. Ouais, ça, quand on est droit, quand on garde un mail,
ça quand même un rôle. Ouais, si on coupe un an, il n'y a pas de pareil. Si on trappe deux, il n'y a pas de pareil. Ouais, nous toutes là, enfin, nous avons l'histoire, nous avons l'anglais, nous avons le monde, voilà, ils disent un petit peu la culture, ils donnent un petit peu coup de main dans les moyens du bord, mais nous donnent la force. À nous, nous le tout monde, comment dire ça. Nous, c'est notre culture. Et justement, la culture, c'est que nous, notre culture, c'est comme une cuisine. Quand le monde demande notre musique, c'est que notre musique, c'est la trappe des épices par là, des épices Madagascar, des épices en Inde, des épices en Afrique. Et il a fait notre musique, t'as l'air de voir, waouh, comment le petit caillon, oh, les grands. Et les pareilles épices, la préparation est pareil même. Les bons, là. Bon, et on a des trois, là, comment ça arrive à Abou Sami, ou à des amis. Au moment où il fait la moine, ça va aller au bout. Voilà, le canard déjà préparé, on va mettre sur le feu, là. Là, on va mettre sur le feu, ça fait rendre un peu son lot. Ah, bah oui, parce que. Faut pas aller trop dur aussi. Faut pas être trop dur. Alors, manger, vous faites revenir à l'île un petit peu ou bien oui. Juste rendre son eau. Et là, vous ne savez pas mettre rien dedans ou bien vous mettez un petit peu sale poivre. Un petit peu sale poivre. Un petit peu sale poivre. Oui. Hein? Après, voilà. C'est tout. Les bons. Vous ne faites pas ça tout seul, là. Hein? Non, faites la ça cuisine. Oui, c'est la cuisine. Les bons, il fait ça cliver dans sa cuisine. Ah, bah oui. Voilà. Non, dans la cuisine. Dans la cuisine. Canal Austral. Voilà. Mais heureusement que Canal Austral est là, justement. Moi, j'ai envie de dire. Il est beau de parler de ceci, cela. Mais quand Canal Austral, Jean-Claude Coindin, ce que les biens, c'est que par cet intermédiaire, par cette télé qui est populaire, nous peut avoir toujours la moindre petite recette culturelle. Et me trouve les dommages, il y a un bon peu de monde, il ne garde pas, il y a un bon peu de monde, il n'y accompagne pas. Dommage. Mais en attendant, vive Canal Austral et que ce soit regardé dans tous les foyers réunionnais. Et c'est ça la force de cette télé, c'est qu'elle est populaire, elle est regardée et elle nous permet de maintenir vivante notre culture. Ah, allons faire cette nouvelle. Allons faire cette nouvelle. D'ailleurs, le titre de l'émission, c'est pas ça, pas appel. Fais ça de nouvelle. Fais ça de nouvelle. Les bons. Alors, oui, allez, allons faire ça de nouvelle. Les bons. Ok. Non, là, il ne veut pas qu'on montre là, comment il est en train de préparer son salade citron sans la peau. Oui, que ça arrive. Ah. Ben, non, c'est pas que ça arrive rien. Mmh. Ben, on connaît un peu timide. Peu timide ou ben, bien sûr. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Eh, mais où soyez où? Et où la fine soyez où? Mais non, les guéris. Mais comment arrive ici la guérie à moi? Ben voilà, ici, dès qu'on franchit la porte devant là-bas, on guérit. Puis il faut les pieds avec les feralgons. Ah, ici, ici, il n'y a rien que les fées. Et il ne râle pas d'ici. Bon. Mais bon, la montagne, ça se fait. Mais ça se fait. Un petit sauce piment, revisiter, comment on fait avec le thème j'aurais bonne idée là aussi. Ouais. Revisiter, mais on lève la peau. Mais à cause on lève la peau, c'est au citron. Mais on n'aime pas la meilleure team. Ah, d'accord. Et alors, dis-moi la peau, là peut-être qu'on a des produits chimiques. Ah oui, il faut savoir. On a la rose de, du sulfate de je sais pas quoi. Banaïmo antiano, c'est une sorte de haut ça. Banaïmo antiano, il retrouve pesticides là-dessus. Ou Rod, pourquoi tout ça, ça nous mange, nous avons maladie aujourd'hui. Ben nous essayons de. Je ne dis pas où on est dans la pointe, mais on a moins. Et puis le goût aussi va changer, on va retrouver le petit goût, le citron sans la mèche. Oui, mais la peau est appréciée par les mamas quand même. Oui, et bonne maman, il aime la peau. Mais ma fille aime avec et l'autre sang. Mais ça, on voit. La peau là. Comme, m'y jette pas moi ça. Ça m'utilise ça en pâtisserie. En pâtisserie? Ah oui, m'y fait le bon petit, m'y fait le bon petit confit. Ah, des confits. M'y jette pas moi. Ben oui. Ben nous essayons. Pas jeter notre parent là, prendre un nom au gaspillage, non. Évitons le gaspillage. Lutte contre le gaspillage. Ben, oui. Donc, pareil, nous recyclons. Voilà. Mais pour quelqu'un qui était timide, hein, mais trouve qu'on l'a bien causé. Ma fille Ndjaou, quand on franchit la porte là, on met la timidité dehors. Voilà. La pointe le droit d'être timidité là. Ouais. En fait, c'est bon la peau. C'est bon la peau? Très bon. C'est très bon la peau? Ouais. En termes dehors, on appelle ça pelé à vif. Pelé à vif, hein? Un citron. Ah ouais. Moi, je trouve qu'on a des expressions très intéressantes. Comment on l'a dit? Globe trotteur. Globe trotteur. Mais connaissez pas du tout cette expression-là. Globe trotteur. Globe trotteur. Oui. Ben, on n'est pas voyageur. Il n'y invente pas les mots. Mais globe trotteur, ça se dit. Ah non, moi, il dit marronnaire. En créole, il dit où il est marronnaire. Ah, moi, il dit un vagabond, moi. Ah, vagabond, oui. Marronnaire, globe trotteur. Voilà. Ou visite les pays, ou visite voilà. Un peu partout, ou pas de carré, quoi. Ou peut être globe trotteur aussi à La Réunion, hein. Ben oui, parce que La Réunion fait partie du globe. Pas. Ben c'est oui. Un petit parti du globe. La Réunion n'est pas petite. Donc, on trotte sur un globe. Là, nous trotte sur une jolie, une belle île, ouais. Dans laquelle on a une belle culture, ouais. Et où on va aller vagabonder avec la culture, marronner avec la culture, et comme on l'a dit, globe. Globe trotté. Globe trotté. Globe trotté. Trotté, pardon. Le conjugalé.
d'accord. Alors, ouais. Bon, mais maman continue après. Enlève la poche, j'ai normalement. Mais bon, alors, on connaît l'histoire du petit prince. Oui, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Et on a vu le petit prince quand il est sur la terre, sur le monde, hein, hein, et que il marche en haut, il marche en bas, il tombe pas à cause de la pesanteur. Mmh. Ben là, il a fait le globe trotter, hein, parce qu'il a marché sur un globe. Oui, oui, oui. Trop oui. Fort pour moi. Non, je décroche. Saint-Exupéry était un avant-gardiste. Comme ça, on dit ça, non? Oui. Mais là, je décroche. Et là où on lève la pub, on appelle ça le segment. Les segments. Segments. Ah ouais, au segment italien. Maintenant, il fait des mathématiques sur une sauce de citron. Oui. Segment. Oui, après globe trotter, segment. Segment. Mais c'est vraiment le thème technique. Donc, on fait ça avec une certaine... Dextérité. Oui. Dextérité. Oh là là là. À soi, nous cause France. Et allez là. Ah oui, dextérité. On a vu comment on parle français à soi. C'est créole tout. Oui, dextérité. Eh ben oui. Mais t'es connais pas moi. Oui, mais tu faut m'y venir là. Moi, créole, c'est d'amour. Eh, gousse, citron. Eh, gousse. Là, il segmente le citron. Mais ça fait un sauce citron aussi là après. Mais là, normal. Tu vas faire quoi avec ça là? Mais ça va couper un petit cube, petit coupe fin, sans éclater les affaires comme ça, on est dans le petit sensation qui éclate de la bouche là, avec le piment. Et on ressemble avec comme du caviar dans la bouche. Ça même, pareil. Enfin, bon, ma femme mange bon, on peut dans mon non. Vie, mais le très peu, mal à manger, m'a invité éclate dans la bouche. Je me dis, si le citron là, il est pareil que le caviar là. Mais achetez plus caviar moi. Non, achetez le citron caviar. Mais achetez le citron caviar. Mais oui. Parce que Nena, citron caviar. Mais oui. Oui, Nena. Mais oui, Nena, citron caviar. Demande de mon gars de non tenir là haut. Non, pas autre question. Non, là où le donne. Là, citron galé. Là, il donne globe trotter. Bien sûr. Voyage dans la cuisine. Non, c'est vrai que la cuisine. Voyage culinaire. Le voyage culinaire. Effectivement. C'est ça qui est bien dans la cuisine. Surtout la cuisine réunionnaise. On a des recettes qui viennent de partout. Et à travers la cuisine, ben, il peut mélanger un tas de choses. Ce sera de mélanger maloya. Mais elle est comme nous-mêmes. La cuisine est comme la Réunion, nous les mélanger. Exactement. Voilà, métissé. Comme le métissage. Hein? Coloré. Coloré. Voilà. Comme notre musique, comme notre cuisine. Voilà. Coloré. Voilà. En tout cas, elle est jolie ce qu'on fait. Hein. Ouais. Bon, mais il vient un petit peu après alors. Ok. Qu'on finit avance un petit peu. Mais bon, on m'a fait goûter tout à l'heure. On va dire moi ça où on pense. D'accord. Ça, c'est les plus digestes. Bon, ça, c'est moi qui décide de faire ça. Non, hein. Mais avec dextérité, s'il te plaît. Hein. Oui, bien sûr. Citron, sauce citron avec dextérité. Avec modération, il faut consommer. Non, quand même pas. Pas besoin. Sauf s'il est fermenté. Oui. Non, si vous tapez un peu trop, mais normal. Mais c'est mal. Et tout ton feu avec le canard là. Ah ben la petite bouchée. Tout ton bouchée. On se prend la croûte. Ben la pâtisserie chante un petit coup. Et là, tout ton bouchée. Là, il est bon, il a fait bien prendre sa couleur. Tu as la rouge. Oui, là, ça rien. Là, ça a rajouté les oignons. Là, maintenant, il met les oignons dedans. Après, Et comment on jauge le oignon à l'œil comme ça? À l'œil. À l'œil. Ah bon. C'est le goût qui compte. C'est le goût. Les gars, hein, comme ça, on a à mettre le bon soin. Oui, dedans. Et puis on a un, bon. Ali, toi. Ouais, oui. Voilà. À moi, mi veille. À où veille? À moi, mi veille. Et là, on a l'ail. Ça, c'est l'ail. Julie, dans son l'ail, il les met dans quoi? Ça, c'est un pilon, un calme, ça. Attends, un coup, là, mon gars, un coup bien, mais collez pas moi. C'est un pilon, un calme, ça. Un pilon. C'est un pilon, Julie, c'est un pilon. C'est un pilon. C'est un pilon. Oui. Un pilon, alors, bon. Là, donne avec l'ail, donc? L'ail avec gingembre. L'ail, gingembre avec le girofle. Ah, girofle aussi. Girofle aussi, sinon ça d'accord, ok. Tu fais lourd le pilon là? Ah, allez, lourd le pilon. Voilà. Oignons, l'ail, gingembre et girofle. 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 C'est bon. Hein, on a même fait aussi. On l'a bien suivi là. Exactement. Hein? Monsieur, ah oui, la vie est très savoureuse. Donc on va voir la suite. Alors, petit sauce piment fini oui. Ça, c'est le sauce sans si, la peau. Sans la peau. Hein? Ça avec la peau. Et ça avec la peau. Comme ça, on va bien comparer vraiment. Ouais, ouais. Hein? Et le petit sauce sans la peau, là. Que ce soit la mettre dedans, comme ça, là. C'est le même mélange qu'il y en a là-dedans. Sans la peau seulement. Il y a la peau seulement, là. C'est-à-dire de sel, piment. De sel, piment, oignons. Ouais. Et puis un petit bout de gingembre. Un petit bout de gingembre aussi, alors. Un peu de vinaigre aussi, non, pas besoin. Non, on en a citron dedans. Ah ouais. Ça, ça pique un peu. Ah, ça pique, c'est bon. Ma fanabe, ça. Ah, ma fanabe. Ma fanabe. Ah,
elle est fort, hein. Mais il est bon. C'est bon. Ah. Très bon, hein. Très bon. Ah oui. Sandrine, ma belle. Sandrine. Sandrine. Il a goûté. Alors, Sandrine, on t'appelle pour goûter. Ça, ça rajoute tomate là-dedans. Bah oui, rajoute un petit peu de tomate. Vous mettez tomate en boîte, hein. C'est pas grave. Oui, tomate en boîte, c'est pas grave. Au contraire, il donne plus de jus. Ah, il donne plus de jus. Oui. Ah, d'accord alors. Mais après, tomate aussi, ben, m'a pas pris le temps. Ouais, mais tomate en boîte, c'est bien aussi, hein. Bon, une petite. Mais t'as un boîte entier. Un boîte entier parce que le canal en train de. Écrase un petit peu, ben, hein, parce que le canard n'était pas trop dur. C'est ça. Hein, ouais. Voilà. Le feu était très. Le feu était fort. C'était très fort dessous. Ouais, ouais, mais faites boire ça. Ben oui. Ah, oui. Il y a bien fait qu'il mange, c'est fait boire. Mais ce beau fait boire là, il faut veiller. Oui, c'est ça, il faut surveiller. Ben, il faut être tout le temps d'hier. Hein. Ouais, 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 c'est vrai. Ben. Qu'est-ce que ça fait piment là, hein? Ah, elle est bon, hein? Il réveille, bon, il réveille. Il réveille? Ah oui. Parce que l'autre endormi, un petit peu. Ben, la vie piment là, la réveille, elle a dit. Ah oui. Ah bon? Ah ben quand le il fait frais. Quand oui. Il fait frais. Oui, il fait réveiller. Voilà, il fait réveiller. Ouais. En tout cas, elle est excellent, le piment. Ouais, ouais. Ah, c'est bon alors. Et là, en tout cas, l'odeur qui émane du carré, ben. Ah, l'odeur ça va qui très bien s'amener. Et là, il faut encore mettre encore le vin, encore là, après. Eh ben écoute, m'y pense que ça va être délicieux, tout simplement. Ouais, ouais. L'odeur qui émane du carré. Ben oui. Et... J'aurais dit, on dirait qu'il m'a prendre un bon pèse à faire. Ouais, l'odeur bien, qui hein. Émane du carré. Ben ah bon, oui. Bien. Ben il veut dire que l'odeur sort dans ma amie, ça. Dans ma amie, ben il ben rentre dans le trou de nez, bon Dominique. Non, il non, mon quoi. Pas ben, ça. Il rentre pas dans notre nez. Il y a une bonne odeur qui se dégage du carré, alors. Voilà. C'est bon? Ah bon, non, ben je vous dis, émane, m'y connais, moi. Ouais, ouais, une émanation, c'est quand on est là. Les bons, les bons, les bons. D'accord, les bons. Ouais. Pas trop de feu parce que. Pas trop de feu. Non, parce hein? Que maintenant après que le canard écrase. Le canard va craser. Alors le canard va craser. Il faut pas le canard écraser. Il faut pas. Non, mais c'est pour ça que le feu de bois là, il est mesquin. Oui, c'est ah moi aussi, on plante des mots français. Oh là là, la mesquinerie du bois maintenant. Oui, oh là là. Des mots français aussi moi. Très cher et bien. Ah, fréquente. Oui, non, elle est bon. On a un dicton de ça quand il fréquente machin. Voilà, pareil, exactement. Voilà. Ben, et moi aussi, pareil. Pip, pip. Voilà. Allez. Et là, ça rajoute un petit peu de sel dedans. Un petit peu de sel dedans, hein? Parce que par rapport, pas beaucoup. Oui, oui, parce que tu as là, on ne pas mettre de sel quand on avait écrasé l'ail, le gingembre, tout ça. Non, hein? On va la mettre un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup. Là, on rajoute un petit peu, là, pour faire la pointe, comme il dit. Hein? Julie, il parle bien français. Comment? Pour faire la pointe. Pour faire la pointe. La pointe? La pointe du sel. Oui. La pointe. Pour faire la pointe du ciel. C'est-à-dire pour rajouter ce qui manque en plus, on fait la pointe. Il faut rajouter un petit peu. Voilà, rajoute un petit peu par un petit peu. Hein. Voilà. D'accord. Sinon, si c'est trop salé, c'est pas bon après. Ah, ben, oui. Ben, oui. Tout à fait. Et après, on gagne faire rétention d'eau. Ah, ben oui. Voilà, c'est ça. Faire rétention d'eau. Ah, oui, c'est vrai qu'à un moment donné aussi, quand même, là, je fais attention à tout ça. Et on connaît. Diabète, cholestérol, tout le petit à petit. Et on connaît le dicton qui dit il faut pas manger trop sucré, trop salé. Et manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais, mais c'est pas que c'est fait pas un peu sport, ou la vie le prix le alors, le alors, ben c'est pour ça que nous plantons de notre côté. Ah ben oui, mais pas tout le monde qui plante dans notre cour. Oui. Bon, okay. Ça t'habite dans l'immeuble, comment il fait ben, un petit bout de pomme alors. Un petit bout de pomme ça. Ah. Voilà, on peut mélanger aller avec quoi. Un petit bout de pomme avec un petit peu de fraise, un petit bout d'orange, et puis il est suffisant. Ouais, la fumée brûle là-haut là. Ah oui. Mais voilà, la fumée brûle là-haut. Ben, on a fait la main de vin tout à l'heure. Hein? Ah, donc c'est où le vide, il y a de vin. Ben, non, même dedans. Ah, bon. Il vide le vin, mais il boit pas. Hein? On boit pas, non, mais dans la télé, que ça ne dit pas. Ben, voilà, hein. Et un litre même. Elite, hein? Et Julie, il paraît qu'Anna, là, elle n'a pas boire l'alcool du tout quand il était jeune. Ben là, écoute, dans sa mort, il voulait attendre qu'elle finisse mort pour y boire. Voilà, il va profiter de ce parfum. Ah oui, hein, là, la couleur a changé là, avec son vin. Et là, hein? La saveur, elle n'est que plus onctueuse. Oui, mais pour ça, l'arrivée ce soir, là, notre. Oh, ce soir. Ah, on fréquente, toi hein? Bien sûr, voyons. Tu as l'air jolie, Lisa. Ah, mi-bois. Aline, vous l'avez vu? La couleur est bien. Elle est jolie, elle a fait mettre de vin, là? Ben, elle a fait mettre de vin. Bien de mettre. Non, mais si vous mettez, on va sur le canard.
Et là, on s'arrange juste un petit peu de thym brésilien. Ça doit trouver dans la cour là-bas, là. Bah oui. Le thym brésilien. Le thym brésilien, et voilà. Voilà, le thym brésilien. Il donne bon goût, ça. Julie, connais les. Ah oui, le thym brésilien. Et d'ailleurs, je connais net. La plante est là dans notre cour, le thym brésilien. Ah bon. Ah bon, ben. Qui ça a planté? Ben qui ça? Monsieur de papa. Voilà, exactement. Dans son petit potager, le thym brésilien qui donne du bon goût. Voilà, donc vous mettez un petit peu comme ça dessus. Parce que par rapport à des gens, ils mangent avec les épices et moi, ils mettent directement. Mais le thym normal, on va mettre du tout, là. Non, non, là, c'est un canard de vin au Brésil. Voilà, le thym brésilien. Voilà, oui. Et en plus, les jolis, regarde ça, comment il y a ça, que ça fuyant là. Parce qu'aujourd'hui, il nous fait cette nouvelle. Nous fait cette nouvelle. Voilà. Voilà pourquoi nous mettre le thym brésilien. Nous fait cette nouvelle. Voilà, voilà, voilà. Bon, là, au couvali. Hein, à où couvali, couverture, Mahamito, bien, bouchon, Mahamito. Avec couverture. Ah, couverture. Couverture, alors. D'accord, allez, bon, alors, couverture. Et c'est bon, tout le monde dans le sud, là-bas, il dit ça, bouchon, Mahamito. Hein? Ah bon? Oui. Oui, il n'a pas dit couverture, mais il n'a pas dit bon. Ah, bon, bonjour. Mais oui, connais couverture. Couverture. Ouais. La prochaine fois, on a mis un couette dessus. Ben voilà, voilà. Hein, au moins comme ça, tout le monde sera tranquille, chacun va gagner son bouchon, son couverture, son couette. Ah oui. Mais bon. Surtout qu'il fait frais, hein. Surtout qu'il fait frais en ce moment. Ah alors, oui, hein, c'est pas trop frais. Julie, nous peux placer un petit peu de temps en temps, s'il te plaît. Nous pouvons. Nous pouvons. Quand ça a marqué ce t-shirt, madame là. Ôtez, là, ça y est, faites ça tout. Hey!
Voilà, parce que nous, c'est ça que nous veut. Et ce soir, nous, ça a fait De région avec le civet canard. Voilà. Avec la sauce du citron. Destin fait cette ouvée. Fait cette ouvée. Voilà. Côté, je t'aime ça, soir, là, oui. Ah ben, ah oui. C'est le slogan de notre soirée. Fait cette ouvée. Voilà. Je vais faire ce que je veux. Fait cette ouvée. Tout à fait. Avec modération aussi. Ah oui. Mais bon, là, je vous en fais des rigeons. Allez, fais rigeons. Allez, fais rigeons. Nous rigeons après. Après, nous va rigeons. Allez, on me laisse ça. Allons, allons, allons. Et qu'est-ce que ça fait là? Ça fait le grain? Ça fait le grain banane. Les haricots blancs là? Les haricots blancs? Parce que de quel soleil toi, réunion? Ouais. Vous connaissez le soleil réunion? Oui. Ben, ils vendent en grande surface tout ça. Oui, ouais. Mais les bons sont grains. Les bons sont grains. Mais ça va attraper, comment on appelle ça? Les épices pour faire le grain. Bon. Allez, mais les bons. Les bons. De quoi? Pourquoi bah, il fait comme ça? Il fait froid aussi. Il fait froid? Ah oui, il fait froid. Mais à cause tout le temps, on est à côté de feu. J'ai l'impression que le feu là adopte à moi, si ce n'est moi qui ai adopté le feu. Attention, on vous drop là, regarde ça, on drop comment les prêts de feu là. Hein? Non, mais il prend pas. Il prend pas. Il prend pas vous la prenez une robe ineffugée. Oui, tout à fait. Ineffugée? Oui. Oui. Ineffugée. Ineffugée. Ouais. Classée M0. M0 ? Oui. C'est quoi M0 ? Parce qu'en fait, les classifications au feu, on a M0, M1, M2, M3. Par exemple, un rideau de théâtre, ouais. Par exemple, il est M0 parce qu'il ne doit pas prendre feu. Ah oui, d'accord, ouais. D'accord. Donc ma robe se situerait à quel niveau ? M0. M0 ? Ouais, M0. D'accord, ouais. M0 alors. Mais bon, moi, je crois pas trop ça te midi parce qu'il s'est fait la prendre d'Allah là. À moins, ça n'a pas atteint. Mais arrive bien la fois là-bas, on saute dedans. Hein. Mais on y fait M2 avec on saute dedans. Mais on y fait M2. Les bons, on fait M2. Ouais, ouais. Hein. Moi, t'as un C devant ? Yes. Point d'un. Point d'un. Voilà. À peau fait, c'est M2. Oui, quoi, d'accord. Ça va être de l'huile. Oui, de l'huile. Pour attends, le grain, ça. Oui, c'est pour les grains, mais il faut mieux attendre les pépites. Eh, Willy, t'as fait des épices toujours là-bas, oui, alors. Ben, je fais souvent la mer, arrive là parce que. Mais pas les pour le monde, rien. Ben oui, faut pas y prendre aussi, il faut les juste. Ouais. Voilà. Ben, c'est un petit peu de feu. Voilà. Bon, il peut mettre de l'huile. Attends, hein. Vas-y, on va attendre mettre de l'huile. Mettre toujours. Mettre toujours. Mettre toujours. Eh, au feu, le grand, c'est un Brésilien, alors. Ah, ça donne, ça sent bon. Eh, c'est ça, c'est un Brésilien. Ah, c'est joli. Tout en Brésilien, c'est ça. Ah, tout en Brésilien, alors. Ah, non, non. Mettre la tomate. Mettre la tomate dans les grains. Mettre un peu de tomate, moi. Ah bon? Ouais. Quel pays vous la voyagez pour ça ou? Ben, m'y va mémé, t'es fait. Voilà. Donc, moi, m'a toujours mettre un petit peu de tomate dans mon grain. La raison, moi aussi. Il aime bien quand on a la tomate, hein. Qui donne un bon goût, hein. Et là, on a un oignon, on a l'ail, on a un petit peu de thym brésilien. Tu mets un petit peu de sel. Tu mets, moi, puis la bête. Et pas, tu mets pas. Et après, tu mets un petit peu de poivre, alors. Ben. Ah bon, d'accord, alors. Ah, pas de soucis. Ah, maintenant que tout a fini, là, il rajoute le grain dedans. Voilà. Waouh, le kiwi, il est joli. Elle est si chante. Ah bon ouais. Chante Maloya. La culture, où t'es la culture? La culture. La culture du bruit du grain dans la marmite. Ouais. Et j'aime le grain entier, mais pas les crémeux. Ah, les crémeux, les meilleurs, non mmh. Enfin, mes causes pour moi, mais avec le grain de soleil réunion, on peut faire lire entier ou crémeux, hein. Suffit seulement qu'on pille un petit peu sous de cuillère, un petit peu plus. Tradition créole, t'es. Tradition créole en crème, hein. Oui. Attends. Dernier petit jus. Hop, 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 hop. Voilà, là, il va cuire doucement. Parce que un petit peu. Après, oui. Oh. Oui. We'll be right back.
canard est cuit. Le canard est cuit, il est trop cuit. Pas trop cuit. Ça, c'est oui. Le feu de bois, ça. C'est le feu de bois, ça. Ben... Oh, on peut même bien faire cuire manger sur le feu de bois. Mais j'adore. Ah bon, des fois, tu peux un peu manger le feu de bois, là, de temps en temps. Non, là, côté mi habite, tu peux pas. Mais plus tard, peut-être. Hein, mais avant. Mais avant, chez ma maman, oui. Oui, chez ma maman, il fait cuire manger sur le feu de bois. Et quel bois tu utilises avant quand tu fais de bois, puis bois l'encens. Et l'encens. Ben. La même petite odeur, lui. Ah oui, il sent bon, hein. Sent bon. Le curry, il sent bon aussi, qu'on le fait curry, sent bon aussi. Ah oui, il sent très bon. Donc, c'est pas un mythe. Enfin, c'est... Le monde te raconte, des fois, tu te dis, c'est pas vrai. Ah mais non, on fait vraiment. Bois, c'est le meilleur pour faire que manger dessus. Ah, bon, d'accord. Donc, ce fait cuire avec bois de pêche. Est-ce que vous mangez, nous, un petit le goût le bois de pêche aussi, ou bien, si vous fait cuire avec un bois de litchi. Peut-être, mais bois le chi, ben moi, mal connu, bois l'encens, ça rôde au bois la mer. Ben. Et moi, mal connu, l'avais point de bois, t'es fait avec bambou. Ah oui, oui, oui. Bambou oui, aussi. Oui, oui. Bambou, ça, il prend vite. Bambou, hein. Bambou, il prend vite et puis il fait bon peu la fumée aussi. Ouais, c'est ça. Mais sinon, avec le bois, ben, comme ma maman l'a fait qu'il mangeait chez le bois, il adore faire qu'il mangeait chez le bois. Ben, monsieur, le coutume. Hein. Ben voilà. Ah oui. Voilà. Même s'il est plus difficile de faire qu'il mangeait chez le bois, ah, que oui. Sur le gaz. J'aime hein. Bien le de la fumée. Voilà. Ah oui. La après, fumée de bois. Après, la fumée rentre dans la tête aussi. Hein. Après, il faut laver la tête. Hein. Oui. Surtout qu'on a chevé pour Aline là-bas. Là, hein. Allez, on ne veut pas plus rester à côté de feu, non? Non, mais il connaît mes cheveux, là, imprègne à lui de la fumée du Sivekana, le riz jaune, ouais. Mais surtout l'ambiance Maloya l'avait ce soir. Ouais. Ce soir, c'était vraiment un vrai bonheur, un bon moment passé avec Ramatou. Oui, Ramatou. Oui. Avec elle m'a donné Fabrice Ramay, Destin Maloya. Un moment où la culture se vit et surtout. Bien sûr, il faut continuer. Merci, comme ça merci à toi, Jean-Claude. Merci à Canal Austral. Parce que c'est vraiment à travers ces émissions qu'on peut continuer déjà à faire découvrir la culture, à faire découvrir la cuisine réunionnaise, mais surtout à permettre à chaque réunionnais que nous sommes de rester fidèle, de rester collé serré et de continuer à transmettre, à partager notre culture. Et ce soir, c'était avec Destin Maloya et m'y connaît qu'avec vous, la culture se vit tous les jours. C'est pas une question de faire la pub. Il faut dire quand les choses sont bonnes. Il faut dire quand les choses sont agréables et sont partagées. Avec Canal Austral, la culture réunionnaise se vit. Bonne soirée merci à tous. Merci. T'as mangé là? Allons manger. Allons manger. Ah ouais, allons manger. Là, bon là, le ventre est dangereux. Encore là, nous n'y voyons nous comme nous n'avons jamais vu nous. C'était tout. Nous voyons nous pour dire tout ça en l'air. Là, nous voyons nous en vrai. Et ça pas montage, il n'a pas fait montage parce qu'il n'a pas fait rien ça. Il n'a pas fait signal. Sur le vide, hein. Là, les gars, venez. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a fait la queue. Le grain. Maman, donne mon assiette. Moi, il manque des pommes de terre dans le riz jaune. Non, il manque pommes de terre. Il manque pommes de terre. Hein? On débute la peine des câbles là-bas, on dit pommes de terre. Il manque pommes de terre dedans. Voilà. Et regarde les affaires, Ah oui, la baisse, oui, la baisse. Là, on n'est pas content qu'on ait beaucoup de désert comme ça. Pourquoi manger la bouche? Et ce qui gagne, nous, la table, bon appétit. Tenez comme elle est, là, il est dangereux, là. Il est dangereux, là. Là, il est dangereux. Là, il copie, là. Ah, il copie. Ça, il copie, quand même. Oui. En tout cas, merci bien à tout le monde. Merci à vous. Et merci à la cuisinière. Il parle mon assistant aussi, le bon assistant. Le bon assistant.
hein, et tout ça. Et ben nous on retrouve la prochaine fois là. Sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à bientôt. Nous, la donne pour la guerre. J'ai fait bon, t'es comment, mais. T'es pas là. Oui, oui. Nous, bien manger. Mon bouchon, quand tu peux gommer, mais bien bien manger. Et quand il est bien bon comme ça, ben. Je dis merci la cuisinière. Merci à Zot d'avoir invité à nous ici et tout, franchement super sympa. Et. Là, tu manges, noir. Là, tu manges, noir. Remanger. Ouais, ouais. Pareil. Hein? Non, t'as là, t'es goûté, oui, non. Bah, parce t'as que. T'as goûté? Oui, t'as là, t'es goûté, comment on fait pour les bonnes jolies petites cuisses comme ça dans ma amitié? Gay pas. Gay pas, laisse ça dans ma amitié. Comment est-ce que tu peux la sauce comme ça là? Pas pour ta petite mazout. Là, puis la bouche coule le nez, tout coule, on s'en va plaisir. Première sorte, mais ça va moins. Okay. Hein? Nous, on a notre émission là. Hein? Nous, on a des clips un instant après là. Mais fais péter. Fais péter? Oui. Les bons alors. Allez, nous retrouve, hein? Allez. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.